Dominic. No, God! No, God, please, no! 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 Oh! Bonsoir, voyageur, tout droit venu des enfers. Tu me sembles perdu, dis donc, au milieu de cette rue. Tu ne sais pas ce qui est arrivé au monde? Je te conseille de t'asseoir un petit peu et de prendre des notes parce que sinon ça va être compliqué à développer. Bon, pour commencer, je m'appelle Columbus. C'est de là que je viens, donc ça sera plus simple pour se souvenir de nos noms. Et je te souhaite la bienvenue... aux États-Unis de Zombieland. Oui, je sais, c'est grave la merde. Mais bon, moi je m'en sors parce que j'ai un petit guide rempli de règles. Je survis parce que je fais gaffe à tout et que je suis les règles. Mes règles. Ce qui me permet au moins de rester en vie. Avant, j'étais jeune, innocent, un peu accro aux jeux vidéo. Troisième semaine d'affilée sans sortir de la maison. World of Warcraft. Collection de pizza. Décharge de Mountain Dew, code rouge. Fierté, aucune trace. Et c'est peut-être de la pire manière possible que j'ai pris conscience de l'invasion des zombies. Je sais pas ce qu'il avait, mais en tout cas, il était complètement fou. Il était drogué, si ça se trouve. Attends, je t'ai pas encore raconté le pire. Oui, je sais. Allez, canon. Oh la vache ! T'es sûr que ça va ? Oui, je sais. Là, beaucoup moins. Et ça me fait mal au cœur de devoir lui faire ça. Depuis tout ça, j'ai un seul objectif. Retrouver mes parents. Bon, ce sont les pires, mais... rentrer à la maison, c'est peut-être la meilleure chose qui soit à l'époque dans laquelle on vit. Sur la route, le plus étrange des partenaires accepte de me prendre en stop. Tallahassee. Un sacré personnage dans le genre. Je vous jure qu'on n'en voit pas deux dés comme ça dans la vie. Comment dire, il était à fond dans son trip. Faut voir ce qu'il y a comme trip. Il a un objectif bien étrange, le genre qu'on aurait du mal à imaginer. Au sang, c'est putain de Twinkie. J'adore les snowballs. Il est même prêt à tout pour en trouver, quitte à nous faire prendre de sacrés risques. Mais bon, ça vaut clairement le coup quand on voit qui on rencontre. J'avais devant moi une autre femme épousable à présenter à ma famille. Venez vite. Je connais quelqu'un qui risque de se faire passer les cheveux derrière l'oreille. Mais celle-là, elle est dans une situation assez, disons, particulière. La petite s'est fait mordre. Fais comme si de rien n'était, évitons de la faire flipper. Ouais. Alors, vous avez fait tout ça pour un Twinkie ? Oh non, c'est lui. Je suis juste un genre de Bernardo. Bon, vous vous en doutez, moi et Tallahassee, on cherche à la réconforter, lui faire prendre la meilleure décision possible, que ce soit pour elle. On va prendre vos armes, les clés de la voiture, les munitions. Et si vous en avez, des chewing-gums sans sucre. C'est quoi ces conneries? Bon, là, pour le coup, on ne s'y attendait pas. Et cela nous laisse tellement de marbre que l'on décide de partir à la recherche d'une autre voiture. Bon, essayons de trouver une caisse. Tu oses me le rappeler? J'ai jamais galéré autant que depuis que t'as ramené tes fesses à bord. C'est vrai, torture un mec si t'as envie, mais tu joues pas avec sa Cadillac. Et heureusement, on tombe sur un grand van. Mais franchement, c'est un peu trop suspect en fait. Bon, en réalité non, hein, bien au contraire. On a beaucoup de chance, je trouve. Allez, viens par là. C'est classe. Tu veux sentir ce doigt ? Sur la route, on tombe sur notre voiture volée par nos deux petites potes, complètement abandonnée. Connaissant ces filles, c'est un piège. T'attends ici, tu viens quand je te fais signe. Tallahassee décide de prendre les devants pour finalement ne rien trouver. Enfin, si ce n'était pas moi qui m'étais fait avoir
comme un bleu. Roule tout doux et garde les yeux ouverts. Compris. Elles sont sur la banquette arrière. Ouais. Y'a que moi. Ah. C'est ta sœur avec mon fusil. Eh oh. Bon, je vous passe bien évidemment les détails du « on est ennemis, puis on est potes, on se déteste, puis on s'aime ». Bref, on finit par faire la route ensemble. Entre autres, bien sûr, on reprend la route et on décide de réaliser un rêve que chacun d'entre nous a toujours eu. Chope une carte. Allez. On décide d'aller à Beverly Hills et de se poser dans la villa d'une star. Et pas n'importe laquelle. Il y a écrit BM. Ça n'a rien à voir avec Bob Marley. Mesdames et messieurs, bienvenue à la mansion des Murray. Le seul et l'unique, oui, qui pour une étrange raison semble avoir disparu lui aussi malheureusement. Du coup, pour honorer sa mémoire, je décide de montrer à Little Rock son chef-d'œuvre ultime. Oh, c'est trop excellent, tu vas savoir qui on doit appeler. SOS Phantom. Mais devinez quoi? Même en cherchant au plus profond de votre imagination, vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé malheureusement. Et sans prévenir, dans mon dos, le zombie de Bill Murray débarque. Et oui, ces deux crétins de Tallahassee et Wichita ne m'ont pas prévenu que BM était encore en vie. Oh mon dieu, c'est pas vrai, j'ai descendu Bill Murray. Monsieur Murray, juste Bill au point où on en est. Et donc, je dois vous l'annoncer ainsi, j'ai tué Bill Murray. Solution hydroalcoolique ? Ouais. Tenez, ça m'a tourné. Bon, on va essayer d'aller de l'avant malgré tout, mais franchement, je vais avoir du mal à m'en remettre. M'oblige pas à boire toute seule. D'accord. Oui, je sais, une femme vous fait oublier beaucoup de choses. Surtout quand elle vous annonce le meilleur juste après. T'es plutôt mignon. Tu le penses? Ouais. Oh oui, serait-ce enfin ce moment-là que j'attendais? Un coup de main pour bouger le canapé. On monte le camp. Je comprends pas. C'est pas ma journée. J'ai vraiment pas de bol. Donc on va aller dormir. Je suis sûr que ça ira mieux demain. Hein ? Ça ira mieux demain. T'es comme une espèce de robot géant casseur de cou assemblé au fin fond d'un labo du gouvernement. Je vais aller m'enterrer à côté de Bill Murray. Bon, puisque je suis un acharné, je décide tout de même d'aller les chercher alors que Tallahassee décide de partir dans son coin. Ça, c'est un bon cochon. C'est le pire au revoir que j'ai jamais entendu. Et tu l'as sorti d'un film. Sur ces paroles complètement nazes, je prends donc la moto et fonce sauver ma douce. Rame dans le 4x4, tonnerre mécanique. On va aller faire un tour de manège. Merci. Heureusement qu'il est là quand même, ce cow-boy sauce apocalypse. On décide donc d'aller rejoindre les filles qui avaient choisi pour refuge un parc d'attractions, celui qui a toujours fait rêver Little Rock. Mais bon, c'était peut-être pas obligatoire d'aller tout de même jusqu'à allumer les lumières et les machines. Du coup, vous vous en doutez, Tallahassee et moi arrivons pile au bon moment pour les sauver. Merci. Allez, prends ton fusil. C'est bon. Salut. C'était Columbus en direct de... Non ! Non ! Merci beaucoup. Vous nous avez bien eu. Ouais.
C'était très drôle. Bon, je reprends. Pardon, excusez-moi. C'était Columbus, en direct de Zombieland. Bon, et au final, avec le recul, pourquoi 10 ans plus tard? Mais moi, j'ai pas envie de retourner à Zombieland, vous vous rendez pas compte? Enfin, on me demande de refaire une suite, mais j'ai pas envie, moi, je veux pas y retourner dans cet enfer. Enfin, ok, je suis maqué avec une super fille, bon, ça a l'air d'être bien, mais franchement, hormis le fait d'aller à la Maison Blanche, on va se retaper encore des zombies. Enfin, il y en a marre, ça fait 10 ans depuis...